Alors voilà, je suis sur la route de Issarsou, un petit pic, mais comme toujours, vive l'Espagne, un panneau à Audax et après plus rien, tu te débrouilles. Alors bon, comme je me repère quand même, je ne devrais pas tarder à trouver, apparemment il faut que j'aille sur ces crêtes là-bas au fond. Une fois que je suis sur les crêtes, après ça va être tout bon. Il faut que je sorte de ce trou. Allez, je prends un peu de hauteur. Mais je suis vraiment dans un coin paumé. Hein. Alors, je sais que je suis sur la bonne trace. Mais alors, quand même un peu chantier, mais ça va, ça va. Allez, je continue. Est-ce que je vais sur cette petite montagne-là où je passe au pied? Je ne sais pas encore. À suivre, à tout à l'heure. Ça y est, j'accède enfin sur un plateau et je vais récupérer une montée pas pénible, mais bon, un peu longue. Pas difficile par contre. Allez, je continue. Voilà, je viens de franchir la clôture. Il me reste plus qu'à arriver sur cette petite colline qui est le but recherché. Et après, ça va être de la descente en crête. Donc, je serai vite, normalement, sur Otsondo. Allez, un dernier coup de fesse. Voilà, j'arrive au sommet de l'Issarsou et je peux vous dire que le final, c'est pas rien. Hein. Mais bon, le plus dur est fait. De la brume au loin. Voilà maintenant les petites haches que nous rencontrons souvent sur les petits sommets espagnols. Voilà, deuxième pic de la journée. Et après, j'espère que je vais plonger sur Otsondo parce que c'est difficile. Devant nous, tout est ensoleillé. Mais au premier plan, je ne vais pas tarder à rentrer dans la brume. Pour l'instant, je respecte et les temps et les objectifs. Mais là, je ne sais même pas où il faut aller. Allez, on va suivre ce petit chemin. Je ne devrais pas tarder normalement à rattraper le col d'Otsondo. Mais il faut que je voie la route.
Bon, je suis quand même dans un endroit un peu bizarre. Il fallait trouver la trace. Mais bon, j'ai l'air de bien m'en sortir. J'ai commencé à avoir quelques petits repères. Donc je vais essayer de les suivre. Mais je vois la piste devant moi, donc je pense que ça doit être par là. Allez. En tout cas, c'est bien joli. À faire par très beau temps. Allez, je viens de faire toute la crête. Je suis un peu dans le brouillard au fond là-bas. Je vois que Saint-Jean et tout ça est au soleil. Et moi, je n'arrête pas de monter. Pour l'instant, je suis sur une belle crête. Mais ça reste quand même une rando pas trop difficile, mais quand même un peu exigeante. Hein. Voilà. Alors, j'ose espérer une descente jusqu'au col parce que j'en ai un peu assez de monter. C'est vraiment une rando qui n'est pas facile. Il me tarde de voir le dénivelé total. Là, j'arrive dans une jolie forêt. J'espère que je n'aurai plus rien à monter. Par contre, j'ai une très bonne trace GPS. Je félicite les gars qui l'ont postée. Parce que celle-là, elle est nickel. Voilà. Un petit bout de route et je suis arrivé au col d'Ochondo. Je me demandais si j'allais voir ce col aujourd'hui. Parce que c'est une randonnée, je me répète, mais que j'ai trouvé difficile. Pas insurmontable. Mais bon, c'est long. Maintenant, je sais que ça va descendre jusqu'à Oudax. On l'a déjà fait avec Ati, une partie, donc... ça va aller, j'espère. Alors maintenant, ça sent bon la forêt, ça sent bon le retour et surtout fini les difficultés. Maintenant, j'ai plus qu'à me laisser couler jusqu'à Oudax. Ça va être super. Allez, je touche du bois de ne pas me casser la figure et me recasser l'épaule comme l'autre jour parce que j'ai quand même un ligament fissuré. Donc je m'étais fait bien mal. Je suis en séance de kiné et on passe un scanner de contrôle quand même le 10 janvier. Donc ma chute, ce n'était pas hier.
Allez, à tout à l'heure. Alors, le trip touche à sa fin. Mais je peux vous avouer que je suis fatigué. Je ne sais pas comment est ma tête. Mais là, j'ai pris cher quand même parce que elle n'est pas facile. Tout simplement, elle est longue, elle n'est pas facile. Beaucoup de vallonnées, des pics, donc voilà. Maintenant, je descends, c'est un véritable plaisir. Allez, je vous dis à tout à l'heure, à la voiture. Ça y est, je touche le bout. Je suis à moins d'un kilomètre d'Ourdax. Je suis sur leur fameuse piste bétonnée, qui signifie que le village n'est pas loin. Allez, un peu de courage, je vais casser la croûte à la voiture, parce que j'en plus je suis mort de faim, avant de rentrer sur Saint-Jean. Alors à droite, à travers les arbres, on aperçoit Ourdax. Et devant nous, cette montagne s'appelle Lascar, que nous avions escaladée avec Cathy et Chabi. Voilà, on commence à connaître toutes les montagnes du coin. C'est parfait. Voilà, je suis arrivé. Est-ce que vous entendez derrière moi? C'est le ruisseau.